Regardez bien, on a abordé tous ensemble la conception animale, comme on a pu aussi voir les différents animaux qu'on peut voir dans la vie quotidienne ou bien à la télévision, d'accord? Allez, citez-moi maintenant les différents animaux que vous connaissez. Donc, qu'est-ce qu'on a? Maya, tu peux me citer un animal? La vache. La vache, très bien. Quelqu'un d'autre, Selma? La gazelle. La gazelle, encore Younes? Le chien. Le chien, on prononce bien. Madame? Le chat. Le chat, très bien. Ouais. Le loup, très bien. La girafe, très bien. Alors, regardez bien, pour consolider ce qu'on a déjà appris, je vous propose maintenant un petit challenge, un petit défi. Alors, vous avez sous vos yeux, ou bien devant vos yeux, une toute litanie d'animaux. Alors, on essaie maintenant de faire un petit challenge, ou bien un petit défi. Alors, qui peut passer maintenant au tableau pour faire le jeu? Allez, tu passes, Selma. Passe aussi, Mayal. Alors, regardez bien, vous avez maintenant une toute litanie d'animaux. Alors, à mon signal, vous allez taper sur l'animal que je signale pour voir celui ou bien celle qui identifiait l'animal en premier. Allez, je prends le stylo. Allez, l'éléphant. L'éléphant, très bien. 1-0 pour Selma. Le chien. 2-0 aussi pour Selma. Le loup. 2-1 pour Mayar. Le lion. 3-1 pour Selma. Très bien. Alors, regardez bien. Alors, on a distingué déjà deux types, bien deux genres d'animaux. On a un animal de quel genre? Domestique ou bien un animal sauvage. Alors, maintenant, d'une pierre, deux coups. On essaie maintenant de classer les animaux que j'ai déjà signalés. On a le premier animal, c'est quoi? La girafe, puis le chat. Le chien et le lion. Très bien. Allez, maintenant pour... Tu peux me montrer maintenant, Maya, le premier animal. La girafe. Très bien. Alors, essaye maintenant de classer cet animal dans le tableau. Un animal domestique ou bien girafe. En même temps, tu produis une phrase. Le girafe. Alors, on dit le girafe ou bien la girafe. La girafe. La girafe. La girafe est un animal. Est un animal. Sauvage, très bien. Alors maintenant pour le deuxième animal, le chat. Selma, tu peux me montrer le chat? Très bien. Tu produis une phrase pour dire son genre, bien son type. Allez, le chat. Le chat est un animal domestique. Domestique, très bien. Alors maintenant pour le troisième animal qui nous reste, le chien. Alors maintenant quelqu'un d'autre, il passe au tableau. Il nous produit la phrase. Allez, madame. Tu peux me montrer maintenant le chien parmi la liste d'animaux. Le chien, très bien. Produis maintenant la phrase pour dire quel est le genre d'animal. Le chien. Le chien est un animal domestique. Très bien, le chien est un animal domestique. Alors maintenant, il nous reste tout un dernier animal. Allez, Hannah, tableau. Allez, le lion. Le lion maintenant, tu peux me montrer l'animal? Le lion est un animal sauvage. Sauvage, très bien. Le lion est un animal.